Hi, Bella. Are there students in the elders' room? Our students carry a lot of emotional trauma. You know, they've experienced suicides on the reserves. We're so thankful to have a school where the students can feel proud of who they are and where they come from. But you also never forget funerals in our school gym. You could be hanging out with that kid the night before, only to find out he's not here the next morning. We're not normal. Thunder Bay, une ville de 110 000 habitants dans le nord-ouest de l'Ontario. Située sur les rives du lac Supérieur, c'est la seule grande ville de la région. L'autre centre le plus proche est Winnipeg, à 700 km de là. Pour de nombreuses communautés autochtones isolées du nord de la province, cette ville est l'unique occasion de trouver un emploi et pour les plus jeunes, d'obtenir une éducation. We have a lot of student artwork in the hallways. The school is a safe place. We foster a family atmosphere. You know, we take care of the kids. They are safe here. Voici le rêve de l'école Dennis Franklin Cromarty, aussi appelée DFC. Offrir un refuge, une famille et un avenir aux jeunes autochtones dont les parents sont à des centaines de kilomètres au nord. Mais l'école se bat contre un adversaire de taille, la réputation de Thunder Bay. Racisme, crimes haineux et disparition de jeunes autochtones sont des thèmes récurrents ici. Dans la rivière McIntyre, qui coupe la ville en deux, on trouve périodiquement des corps d'adolescents venus des Premières Nations. En 2015, la ville a fait les manchettes quand le coroner de la province a ouvert une importante enquête sur la mort de 7 jeunes. 6 d'entre eux étaient des élèves de DFC. Those are the lows of the lows, you know. Those are things that I carry with me in my heart, in my mind, in my soul that I'll never forget. Les élèves n'oublient pas non plus. Chaque mort secoue l'école comme un séisme. Oh, it's devastating. You know, everybody feels it. Everybody grieves in a way, and even if the students don't know them, they can associate with them because, you know, they're First Nation and they're the same age and they have similar experiences in life, so it really affects everybody hard. La cause de ces tragédies reste floue, mais ses effets résonnent jusque dans les communautés autochtones du Nord. Certains jeunes doivent se disputer avec leurs parents pour les convaincre de les laisser partir. They told me that they were afraid that I would end up in this river too. Les parents de Landon ne sont pas seuls à s'inquiéter. Autrefois, 150 jeunes en moyenne quittaient leur Première Nation pour étudier à DFC chaque année. Cet automne, ce nombre a chuté de moitié. We've seen a dramatic decrease where at the beginning of the year we only had 76 who had applied. Les histoires tragiques impliquant des autochtones à Thunder Bay ne datent pas d'hier, mais deux autres corps retrouvés dans la rivière au printemps dernier ont poussé un chef autochtone à demander à la ville de décréter l'état d'urgence. Un véritable dilemme car pour des adolescents comme Landon Wesley, la grande ville représente la seule issue de secours d'une communauté où les conditions de vie sont déplorables. Well, my previous life was very toxic. My mental health was a little off the balance, way off balance. The successes I get in here help me up, put me in a higher place. Cependant, le choc en arrivant à Thunder Bay peut être brutal. The sacrifices that they've made, they've left their home, their families, their community to come to a big city that some have visited before, most have never lived in, and they're experiencing things like racism for the first time in their life. La plupart des adolescents sont placés dans des familles d'accueil dès l'âge de 13 ans. It was very daunting at first. Alena Sakshekapo, une élève de dernière année et membre de l'équipe de lutte, a changé de famille d'accueil 13 fois en 3 ans. There's the culture shock when you first get into the city. There's like learning who your boarding parent is, how to get to school, what time you have to get to school. What you should bring to school, because, you know, everything was all new and it was just learning. The learning curve was the hardest part to get used to. Elle était d'abord inscrite dans une école publique à Thunder Bay, mais elle ne se sentait pas à sa place et avait du mal à se faire des amis. Alena a décidé de transférer d'école. DFC became my home, like the school itself. It's probably the most consistent thing in my life. Cette instabilité, selon l'école, contribue à l'égarement de certains jeunes qui vivent parfois loin de l'établissement. Pour l'administration, la solution est simple. Il faut construire une résidence pour étudiants. That was always
Our dream was to have a living center for these students, especially the grade 9 and 10 students, you know, the young 13 to 16 year olds, to a place for them to be safe in the evenings. Like, because, you know, they're young, they're teenagers, they make mistakes, and sometimes, you know, it just takes one mistake. L'administration demande des fonds au fédéral depuis au moins 15 ans. Sans donner d'échéancier, Ottawa répond qu'il est ouvert à l'idée, mais rappelle qu'il investit des montants importants pour rendre la vie en famille d'accueil agréable et sécuritaire. Keep working till the bell today. It looks like we want them to be confident, successful people. Really, in Thunder Bay, no doubt there's some bad things going on, and we've seen that in the media, but there's also a lot of really good people here. Avec cette lueur d'espoir et en attendant de meilleures nouvelles d'Ottawa, le personnel de l'école Dennis Franklin Cromarty continue son travail avec passion et acharnement. Ici Joël Achat, Radio-Canada, de retour de Thunder Bay.